45 buts pour Montpellier, 43 pour Saint-Étienne depuis le début de saison, quand les deux meilleures attaques du championnat se rencontrent, bien sûr, le match sans la poudre. Surtout qu'il se déroule au stade de la Mosson, où l'ancienne butte a fait place à une tribune flambant neuve. Une tribune qui va se lever comme un seul homme dès la troisième minute sur une accélération de Gérard Bernardet, qui transperce toute la défense stéphanoise et tire au ras du poteau de Castaneda. Le ton est donné, Montpellier a pris Saint-Étienne à la gorge et ne le lâchera pas. Huitième minute, débordement de Perret sur la gauche, centre repris au deuxième poteau par Roger Mia et premier but malgré l'opposition de Kourou. Neuvième but de Mia cette saison et le Camerounais est à deux doigts de récidiver à la 20e minute, centre de Bernardet. Et cette fois, c'est l'angle du but qui sauve Castaneda. Littéralement déchaîné, les Montpelliérains attaquent sous tous les angles. Et quelques minutes plus tard, c'est au tour de Thierry Loret de tirer de très peu à côté du but stéphanois. Les Stéphanois qui s'en sortent plutôt bien puisqu'à la pause, ils ne sont menés qu'un à zéro. Mais le score va évoluer très vite après la reprise. Le jeu n'a repris que depuis 10 minutes lorsque Ferraoui donne en retrait à Bernardet. Encore un centre au deuxième poteau et encore une reprise de la tête de Roger Mia. Deuxième but de la soirée pour le Camerounais et 2 à 0 pour la Paillade. La défense stéphanoise prend l'eau de toutes parts. Prise de vitesse ici par Pascal Baït qui tire sur Castaneda. Mais le ballon ricoche dans les pieds de Ferraoui qui marque le troisième but de la Paillade. 3-0, c'est dur pour Saint-Étienne dont le seul mérite aura été de ne jamais fermer le jeu et d'essayer tout au long des 90 minutes de justifier la réputation de son attaque. Mais la chance n'était pas au rendez-vous et toutes les tentatives des Verts vont échouer. A l'inverse, toutes les actions montpelliéraines sont dangereuses et c'est fort logiquement que sur cette montée de Nenad Stojković qu'ils vont inscrire un quatrième but, même si c'est le malheureux Kourou qui donne le ballon à Mia. 4 à 0 et troisième but pour le Camerounais, toujours démangé par le démon de l'attaque. Pour nous, c'est tout plat. Vous savez, une équipe, si une équipe n'a pas l'attaque, elle ne peut pas gagner des matchs. Donc, je crois qu'il faut souvent avoir l'attaque et puis bon, avoir aussi la défense pour ne pas encaisser beaucoup de buts. Ce serait suicidaire d'imposer à des joueurs qui ont le sens de l'attaque une tactique défensive. Donc, vous voyez que les résultats donnent raison. Mais en tout cas, je souhaiterais, moi, ajouter à ce panache à domicile un peu plus de rigueur, peut-être à l'extérieur, ce qui ferait de Montpellier PSC une des équipes les plus performantes de l'Hexagone. Et c'est vrai que si Montpellier était capable de jouer comme cela à l'extérieur, peu d'équipes en France pourraient lui résister. En tout cas, après Brest, Saint-Étienne encaisse à son tour un carton à la Mosson. Le cinquième et dernier but étant l'œuvre de Gérard Bernardet.